Bonjour tout le monde. Je vous souhaite une bonne et merveilleuse année 2021. Et je vais vous faire une petite créa pour cette nouvelle année avec une technique que j'apprécie et qui change. Voilà. C'est parti pour la carte. Alors, il faudra une chute de papier où on, comme ça qu'on trouve avec son. Une gun, de la Versamac. Bon, moi je l'ai en petit pad parce que l'embossage à chaud, j'en fais pas tout le temps. Alors, c'est plus connu. Acheter une pad, une petite pad comme ça, que je réancre avec ma recharge qui est là. Focus. Normalement, mon portail il fait focus. Là, je sais pas pourquoi. C'est de la recharge vers sa marque. Non, qui colle. Et qui est assez charge lente. Il faudra un tampon qui est nouveau chez Axon. Des tampons étiquette. Voilà, je prendrai celui-là. Un papier à la base de carte qui fait 21 sur à peu près 14,8. Plié. On va plier à 10,5. Voilà. On a fait 10,5. Oui, elle fait 10,5. Ensuite, une chute de papier noir pour le tampon. Un papier embossé avec la plaque d'embossage d'Axon qu'on de 3D qui est là-bas, qui est celle-là, qui est ceci qu'on la trouve toujours chez Axon, je la vois toujours. Un ancien bloc d'Axon qui était celui-là. J'ai pris cette feuille-là qui a un peu de pailleté là, un peu un dégradé bleu. Et puis c'est tout. Alors, pour commencer, on va s'occuper de du papier de fond. Mettre de côté. Je prends mon massicot. Après, on peut prendre la règle à crayon et on marque. Voilà, je le prends. Un dégradé de couleur. Alors, je vais le couper. Alors, j'ai mis ma carte 10,5. Alors, je vais la couper à 10. Je laisse à la chute. J'ai dit 4,8 pour ce côté-là. 4,8. Alors, 14,3, parce que j'en ai 5 cm, 5 mm, pas 5 cm. Hop, plus besoin de massicot. Ah ça, on aura encore besoin de massicot. Hop, alors, je prends ma base de câble. Moi, j'aime bien arrondir mes bords. Hop, c'est pas obligé. On prend ça. De la taille glue tout simplement. On va faire tout.
C'était très simple. Pas les bords. On sent très bien. Je prends un mouchoir. Voilà, ce qui déborde, en même temps j'appuie. Je me suis pas trompée. S'ouvre bien de ce sens-là. On met de côté. On va faire le tamponnage. Bah, j'ai oublié les poses en bosse ici. Je vais les chercher. Donc voilà, avec les poses en bosse qu'on trouve en kit en ce moment chez Action, je l'ai vu par chez moi. Voilà, on a deux. Le coussin statique qu'on peut fabriquer nous-mêmes avec de la farine Matina ou tampon. On met sur une bloc acrylique le tampon. Voilà. Sans le déformer, on appuie. On met de la Versamark partout. Sur le noir, on voit bien qu'il y a de la colle partout. Voilà. Je prends mon petit récipient. Et là, on va faire en deux couleurs. Je vais commencer par l'argent. Je vais me prendre un pinceau pour récupérer la poudre. Et là, on y va gaiement. C'est une technique qui prend du temps, mais le final, il est super beau. J'ai oublié de vous dire, c'est une carte de bonne année. Referme avant qu'il y ait la catastrophe qui arrive. Je peux pas crier plus fort parce que. En espérant qu'on m'entend bien. Continue. Là, je vois. Vous voyez bien, bon. Me mettre un pot dans un pot très ah, compliqué hein. L'autre côté. Le dernier, je mettrai de l'or. Je n'ai plus besoin.
Je mets au revoir. Voilà. Là, on a partout. Maintenant. Fais une pause et je chauffe avec mon Ingen. À tout de suite. Bon, voilà. Alors, je l'ai refait. En fait, il est là. Mais j'ai passé mon doigt et j'ai tout enlevé. Alors, j'ai dit tant pis. Je le refais. Elle est tout beau. Voilà. Hop. Maintenant. On va le découper. On va le Désolé. Bon, maintenant on va le découper. Alors, pour découper, comme toute youtubeuse dit, c'est pas le ciseau qui bouge, mais c'est le papier. Encore la chute, ça sert toujours. Voilà. Là, on va prendre un crayon argent. On va écrire. Pas besoin de tampons. Bonne année 2021. Voilà. On met de côté. On nettoie le tampon. C'est que de l'eau. Hein. On frotte. De la pub. On va reprendre nos deux bouts de papier là. Le papier embossé et le papier brun. Hop. On va reprendre la règle. Pas besoin. Alors, mon papier fait 15, mais la 4 fait 14,8. Faut que je diminue sur 4 cm. Alors, je reprends mon papier. On prend 14,3.
14-3. Non. Pas 14-3. Sur 4,5. Parce qu'il fait 4. Voilà. Ça, on met de côté. Celui-là, on va le rétrécir à 14,3. Alors, ça. 13,8. On rentre, on n'a plus besoin. Là, j'avais fait mes bords arrondis. Voilà, je vais le faire aussi avec un côté. Là, je prends deux doubles. Un double face, je vais pas arrondir mes bords. Mon ciseau. J'espère que vous voyez bien. Sinon, je m'améliorerai. M'améliorera. M'améliorer. Je sais plus. Désolé pour le bruit. A rien de compliqué. Vraiment. Ouais. Facile. On reprend notre carte. On la pose. Voilà. On prend le double face. On trouvait avec son, maintenant on ne le trouve plus. Un peu dommage parce que ceux-là sont tip top. Même si c'est des petits. Faut pas hésiter à en mettre beaucoup. Surtout au milieu. Ça rend les petits carrés. Je prends
Alors ça, c'est pas obligatoire. J'en prends quelques-unes. Moi, j'adore ça, j'en ai à chaque crayon. Voilà. Je prends ma petite colle de précision. Tout. Voilà, notre carte est terminée. J'en avais fait une autre avec une bordure à côté, sans strass par contre. Voilà, à bientôt, au revoir.